Haïti, 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 Haïti. Koute batman ke nou, yon kore lot la vi kapitel. Talan nou se nan san liye, paske m se atis la ti fatal. C'est pour y être tout qui capable changement. Et soit pays ça, pape Jean Péry. Richesse nous, c'est l'un peuple nous. On a si à la AIC, notre richesse, c'est notre peuple. Assurons notre peuple. Bienvenue en Haïti et à Pétionville, la banlieue la plus in et moderne du pays. Fondée en 1831 par le président Jean-Pierre Boyer, cette commune tient son nom du général Alexandre Sabès, dit Pétion, qui fut le troisième président d'Haïti de 1807 à 1818 et reconnu plus tard comme l'un des quatre pères fondateurs de la nation haïtienne. Pétionville se situe sur une colline à proximité de la capitale Port-au-Prince, surnommée la Coupe Charbonnière, car elle fournissait une grande partie du charbon de bois à la capitale. Dans le temps, Pétionville était une commune réputée comme lieu de villégiature où les riches port-au-princiens venaient chercher un peu de fraîcheur. En effet, Pétionville est composée de plusieurs sections communales qui se prolongent jusqu'aux montagnes de Fort-Jacques et de Thomassin. Ici, au milieu des pins, on peut savourer le calme et la plénitude de la nature. Mais depuis plusieurs années, Pétionville a perdu son architecture d'antan. De Duvalier à Aristide, l'absence de gestion, de plans d'urbanisme et le populisme politique ont conduit à la formation de bidonvilles gigantesques sur les flancs des collines qui contrastent avec la modernité des grands centres commerciaux et des résidences privées. Depuis le séisme de 2010, cette commune a connu une telle expansion qu'elle a ravi à Port-au-Prince son titre de plus grand centre commercial. Cette urbanisation à outrance a engendré de nombreux problèmes, parmi lesquels une omniprésence de déchets, l'envahissement des trottoirs par le secteur informel, sans compter la présence de plusieurs camps de sinistrés. Pourtant, aujourd'hui, les choses commencent à changer et désormais, Pétionville est l'un des quartiers les plus riches du pays où la majorité des activités touristiques ont lieu de jour comme de nuit. De nombreux diplomates, hommes d'affaires étrangers et un grand nombre de citoyens riches font des affaires et résident à Pétionville ou dans ses sections communales. Les hôtels y poussent comme des champignons, même s'ils sont encore assez vides, ici on espère patiemment l'arrivée des premiers touristes après 30 ans d'instabilité politique. Pourtant, Pétionville bouge et la circulation y est si dense qu'on a dû attendre un week-end de congé national pour vous emmener visiter cette commune qui, le calme revenu, reprend presque sa nonchalance d'antan.
Aujourd'hui, même si certains endroits restent encore problématiques, la plupart des détritus qui ont été omniprésents pendant les trois mandats de la mairesse précédente, Lydie Parent, ont été enlevés et un grand effort d'assainissement peut être constaté. L'encombrement des rues par des milliers de marchands et marchandes qui occupaient les rues et les trottoirs de Pétionville a été largement résolu grâce aux mesures adoptées par les autorités municipales. Ceci est le travail d'une équipe, certes, mais surtout d'une femme. Ivanka Jolicoeur Brutus, qui, épaulée par son époux, s'est lancée avec passion dans son travail de mairesse par intérim. C'est en novembre 2012 qu'elle a été nommée par le président de la République à la tête de la commission communale intérimaire de Pétionville. Depuis, elle caresse le rêve non pas de donner à la commune sa splendeur d'antan, mais au moins d'améliorer le visage actuel de Pétionville. Nous l'avons rencontrée à la mairie en nous demandant comment cette petite femme fluette avait-elle réussi ce tour de force en moins de 2 ans. Réponse de l'intéressée. Je peux le résumer en un seul mot, Nancy. La volonté. La volonté, et malgré ces deux challenges énormes, il reste et continue à être un challenge. Avec la volonté que l'on a, avec la connaissance de savoir l'importance, de reconnaître l'importance de garder la ville saine et de libérer les marchandes des trottoirs, nous savons que c'est un concept logique. Logique pour trop de raisons. Alors, en effet, l'insalubrité et certainement pour l'insécurité. L'insécurité au niveau des voyous, des vagabonds, des voleurs qui seraient tentés de commettre un acte et ensuite de se faufiler parmi toutes ces marchandes qui envahissaient les trottoirs. Donc, ça n'aidait pas justement aux policiers ou aux agents de circulation de faire leur travail. Mais aussi pour les passants, pour nos jeunes, pour les enfants qui doivent se rendre à l'école. Il y en avait marre. Et je dois me servir d'un slogan que c'est Madame Parent qui avait sorti quand elle disait « La rue pour machine, trottoir pour piéton, machin pour machin ». Je veux dire, elle l'avait compris elle aussi, mais peut-être avec un peu plus de difficulté à appliquer la démarche. Nous avons voulu le faire et nous le faisons encore et constamment. C'est un combat qui n'est pas facile. Il n'est pas facile pour plusieurs raisons. Je ne justifie pas la raison des marchandes d'être à l'extérieur. Mais il est vrai que nous avons, nous ici à la mairie, nous les autorités conséquentes, de faire un travail d'améliorer les conditions des marchés. Nous savons qu'on a un énorme marché, le marché La Coupe, qui a été conçu dans les années 90, si je ne me trompe. Mais je me permets de dire, et accompagné de d'autres personnes, des ingénieurs qui m'ont accompagné parce que je cherche des solutions, et c'est ça le travail, ce marché n'a pas été bien conçu. Mais il est là, et il faut qu'on essaie de l'améliorer. Et de l'améliorer prend des sous, prend du temps, et c'est ce que nous faisons. Nous avons fait un énorme travail, entre autres, au niveau du marché, c'est-à-dire de débarrasser les marchandes qui étaient au niveau de la rue, qui empiétraient sur le stationnement de ce marché. Donc, pour les livraisons de marchandises, il n'y avait pas d'endroit, ce qui causait un blocus, justement, sur la route de Frères. Donc, ça n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup de manifestations, beaucoup de protestations de ces marchandes qui étaient à cette hauteur, mais elles ont compris. Nous les avons déplacés et vous verrez maintenant que justement la route de Frères au niveau du marché La Coupe est beaucoup plus libre, même si de temps en temps on retrouve une petite marchande. Mais il y a aussi le système de décaissement, le système de demande qui fait que ça prend beaucoup de temps. Administrativement, en effet. Merci. Et c'est ça qui nous donne du retard. Mais nous avons une vision, nous avons une ligne de conduite, nous avons un respect et nous avons une compréhension pour tous dans la commune. Donc, on y travaille, step by step. Ça prend du temps, mais on va y arriver. Mais on sait, par exemple, que les marchandes, chaque fois qu'on les déplace, elles reviennent. Comment est-ce que vous arrivez à pouvoir contrôler tout ça? C'est pas toujours facile, Nancy. Je dois te dire que au début, justement, la mairie a mis sur pied une brigade. Une brigade avec des brigadiers et brigadières que nous avons donné une formation de base. Une formation de base sur leur propre sécurité, comment se comporter à l'égard des marchandes. Parce que moi, je respecte toute personne. Que ce soit le secteur formel ou le secteur informel. Il ne faut pas nier que ces marchandes qui font partie du secteur informel font partie de notre société, font partie de notre économie. Et nous avons besoin d'elles et d'eux. Cependant, nous avons pour devoir de les encadrer.
et de faciliter leur commerce et pour permettre aussi une meilleure économie. Comment se faire ? Essayer de les recruter, de les recenser, nous assurer qu'elles ont toutes des patentes. Mais il ne faut pas oublier que le nombre de marchandes qui existent aujourd'hui dans la commune de Pétionville est dû au fait, au triste événement du 10 janvier 2010. Nous savons ce qui s'est passé au bas de la ville, après le tremblement de terre. Beaucoup de ces marchands et ces marchandes sont montés vers Pétionville pour chercher leur vie, pour pouvoir continuer leur commerce, qui fait que maintenant nous nous retrouvons, et comme nous le disons, Pétionville est maintenant le centre commercial. D'accord ? Mais malgré cela, il faut que la mairie et son équipe trouvent des solutions pour mieux gérer, pour avoir une meilleure gestion de ces marchandes. Et je suis contente de vous dire que je prépare justement une rencontre avec tous les secteurs concernés, si tu veux, que ce soit au niveau de la santé publique, la sécurité publique, de la DDO, départementale de l'Ouest, du ministère de la Santé, de la Chambre du Commerce. Et cette réunion que je prépare, justement, ce sont les enjeux 2014 pour Pétionville. Je l'ai toujours dit, dès mon investiture ici à la mairie, le 8 novembre, j'ai dit dans mon discours que le travail, je ne serais pas capable de le faire seule. Je suis maire, c'est vrai, présidente de la commune. Cependant, une commune n'existe pas sans ses citoyens. Donc, ces citoyens sont concernés et à eux de savoir comment ils veulent vivre, dans quel environnement ils veulent vivre. Et c'est pour ça que moi, je leur ai toujours tendu la main et je leur demande de participer avec la mairie afin d'améliorer les conditions, que ce soit des participations actives, que ce soit des participations financières ou que ce soit des participations, des idées, des suggestions, des accompagnements. Et je l'ai. Et je me permets de dire merci à toutes ces personnes qui, dès le début, ont bien voulu accompagner la mairie de Pétionville. Je crois que nous avons fait des preuves, ce qui a mis le secteur privé, les citoyens de Pétionville, en confiance et de bien vouloir continuer et de m'accompagner dans ce changement d'image que l'on porte pour la commune. Et ce changement est visible tant dans les rues qu'autour de la place Saint-Pierre, où l'église peut désormais dominer fièrement des petits jardins propres et entretenus par la mairie. La place Saint-Pierre, circulaire, a désormais des fontaines, même si les jets d'eau s'y font rares. Sur les trottoirs, le commerce informel a fait place à des étals d'objets d'artisanat haïtien et des peintures qui arborent gaiement le nouveau slogan de cette municipalité « Pétionville bouge ». Quant à la place Boyer, qui pendant 2 ans avait été défigurée par la présence de camps post-séisme, elle a été totalement relookée et offre le spectacle réjouissant d'un espace redevenu lieu de vie. Des murs ont été érigés et décorés avec des mosaïques, un travail minutieux fait à la main et qui ravit les visiteurs autant que les résidents. Sur la place, les camps ont été remplacés par des espaces aérés et verdoyants. Aujourd'hui, les jeunes des alentours, et notamment des bidonvilles avoisinants, peut venir se distraire ou encore jouer au basketball sur la place et n'hésite pas devant nos caméras à déployer tous leurs efforts pour démontrer comment marquer des points au panier. La rénovation de la place Boyer faisait partie du programme 16-6 après le tremblement de terre de 2010 et a été rénovée avec les fonds du Pétro-Caribé du Venezuela pour la coquette somme $1 million. La mairesse par intérim nous en dit plus sur cette rénovation. Cette place a été innovée, mais dans un contexte justement permettant à ces jeunes, comme vous venez de le dire, de trouver un endroit pour se divertir, pour se changer les idées, avec un bel environnement, avec de la végétation. Et je dois souligner qu'il n'y a pas d'arbres qui ont été coupés. De l'ancienne place Boyer sous les tentes et tout, on a essayé de respecter ça le plus que possible. Les couleurs chaudes qu'on voit, qu'on retrouve sur la place Boyer, le matériel est du matériel local, que ce soit des adoquins, que ce soit les céramiques, tout est local, qui a été fait avec un accompagnement d'une firme étrangère, certes, mais nous avions l'architecte ingénieur Madame Kenol Berman, Françoise, qui a fait un magnifique travail. Mais en effet, un acquis de mon gouvernement, Martelly Lamotte, je leur remercie. Mais je dois aussi dire que c'est une confiance qu'ils m'ont fait à me léguer cette place afin de la maintenir, afin de l'entretenir. Mais je dois vraiment lever mon chapeau, donner un coup de chapeau aux citoyens de Pétionville, à cette jeunesse qui
que nous craignions d'une certaine façon, justement, de par leur frustration, de par leur mécontentement, de par le fait de n'avoir jamais vu ce genre de choses pour leur permettre de se laisser aller. Et je me suis rendu compte, et à chaque fois que je me rends sur la place ou qu'il y a un événement, je leur dis toujours un gros merci. Un gros merci de garder la place comme elle est. Certes, il y a des petits morceaux de béton, il y a la peinture qu'il faut rafraîchir, et c'est quelque chose qu'on doit faire et qu'on va continuer à faire. Mais, je veux dire... Comme dans n'importe quelle place publique. Tout à fait, comme dans n'importe quelle place publique. Il faut entretenir les jardins, on a des agents de sécurité qui y sont. J'ai déjà détaché mon service d'événements et d'activités sportives à la place Boyer. Je leur ai donné un petit bureau là-bas. Les gens maintenant peuvent passer directement, donc ça libère un peu la congestion de la mairie de Pétionville. Et nous en sommes très fiers. Et je suis fière des citoyens de Pétionville de la garder, de l'apprécier. Et aussi fière de dire que nous avons déjà eu plusieurs événements, que ce soit le festival de jazz qui vient, le festival de jazz qui a eu lieu. Nous avons l'Institut français qui nous a remis, avec la collaboration de l'ambassade américaine, le Step Africa. Nous avons des projections de cinéma que nous faisons justement sur le terrain de basket. Les jeunes ou les invités s'assoient dans les gradins de basket. Il y a des écrans géants. Alors vraiment, c'est une place extraordinaire. Il ne faut pas aussi oublier la place Saint-Pierre. La place Saint-Pierre qui, elle aussi, avait été envahie de gens après le tremblement de terre, sous les tentes. La place Saint-Pierre a été refaite par USAID Chemonix en 2012. Ils m'ont remis les clés en décembre 2012. Mais ce travail avait été entamé avec la collaboration du magistrat Claire Lydie Parent du passé, et j'ai eu le privilège justement moi-même de l'inaugurer l'année dernière. On avait fait un superbe concert, mais en effet la place Saint-Pierre est la place classique de Pétionville. La place Saint-Pierre est le patrimoine de Pétionville. Sur la place Saint-Pierre, on va retrouver des événements, des foires artisanales et tout, ou des événements de spectacles classiques. La place Saint-Pierre, vous allez voir des gens qui vont y circuler, mais qui vont s'asseoir, qui vont lire un livre. J'ai vu la place, on a même filmé. Moi, évidemment, ça a été un plaisir de filmer les petites pancartes. Ne marchez pas sur le gazon. Ça, on n'avait jamais vu ça. Il y a des bancs sous les arbres. Enfin, c'est... avant, il y avait des camps. Il faut toujours rappeler qu'avant, il y avait des camps et qu'aujourd'hui, on voit les gens nettoyés, tout est propre. Et puis ce slogan, j'aime Pétionville, ma ville bouge. En tout cas, ça, c'est le seul slogan qui n'en est pas un. Ça, vraiment, je dois dire ça. Je vous remercie. En effet, la ville bouge. La ville bouge avec tous ses citoyens. Si j'ai été cette personne dynamique, comme vous l'avez dit au début de votre entrevue, eh bien, tant mieux. Et si je peux faire les autres personnes de Pétionville d'être aussi dynamiques que moi, c'est ce qui va permettre. Et c'est ce qui permet aussi ce changement. Comme je vous le dis, j'ai le support non seulement de mon gouvernement, mais surtout des citoyens de Pétionville. Nous avons fait nos preuves et ils sont là, ils nous accompagnent. Et c'est à eux de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire avec leur commune. Si beaucoup de Pétionvillois sont heureux de constater des changements positifs dans leur commune, la circulation demeure toutefois une des raisons de leur courroux. Les embouteillages quotidiens y sont monstrueux et ont le don de mettre tout le monde sur les nerfs. Le changement récent de sens des rues n'a pas amélioré la circulation automobile et il y a encore un manque d'incohérence dans certaines intersections. Ivanka Jolicoeur en est consciente. Au niveau de la circulation, bon, tout ce que j'ai entrepris ne pouvait pas passer comme une lettre à la poste. Ça a été un petit challenge, mais je vais vous dire, je vous remets un peu dans le contexte, la situation ou le programme de la circulation. Ce sont des citoyens de Pétionville qui m'ont approché ici à la mairie pour me faire savoir en effet que la circulation était exécrable à Pétionville et il fallait faire quelque chose. En tant que citoyenne, moi aussi, je vivais ce problème de blocus de trafic. Donc, j'ai fait appel aux instances concernées, qui sont donc le MTPTC et la circulation, le service de la PNH de la circulation, pour nous accompagner à ce changement. J'ai toujours l'habitude, justement, moi, de toujours bien réviser, mais sachant que je n'étais pas professionnelle ou technique au niveau de la circulation, j'ai laissé les professionnels le faire sans réviser. Et je rappelle à tout le monde, il est toujours important de toujours réviser et de toujours prendre conscience nous-mêmes avant même d'appliquer. On m'a ramené un circuit selon les professionnels qui étaient bien.
nous l'avons appliqué. Ça a pris du temps parce qu'il faut savoir, en effet, il faut rappeler, nous avons de nouvelles rues asphaltées, nous avons de nouveaux trottoirs adoquinés ou bétonnés. Donc, de faire tout ça en même temps, peut-être qu'on a vu trop grand ou on a vu trop vite, je l'avoue. Mais l'idée d'améliorer la circulation n'était pas mauvaise. Donc, évidemment, après toute l'étape qu'on a pris, et je dis bien « on » parce que c'est les MTPTC et la circulation, j'ai prêté attention donc aux citoyens qui avaient à faire des commentaires, que ce soit sur ma page Facebook, que ce soit par email, que ce soit par coup de fil, ou encore notre bon collègue John Sherry à chaque matin dans les rues de la capitale qui m'accompagnait et me suggérait. De temps en temps, je donnais un petit coup de fil à John. Donc après un temps, j'ai rappelé le commandant Dimanche et de lui dire, écoute Will, il faut qu'on ajuste parce que là, ça ne va pas. Et à regarder la carte, ça ne va pas. Donc, depuis lors, nous avons fait quelques modifications. Nous avons eu des retards au niveau de la signalisation mal installée. Écoutez, c'est arrivé, je ne peux pas le nier, je ne peux pas le cacher, c'est vrai. Nous avons été trop vite en besogne, mais nous voulions le faire pour le bien-être de la commune et nous voulions le faire aussi avant la rentrée scolaire. Mais avec le temps, ça s'est amélioré. Mais je dois aussi dire à mes compatriotes, à mes collègues, à mes amis pétionvillois ou haïtiens en général, l'adaptation est toujours difficile. Donc, il fallait qu'on laisse le temps aux choses. Et il fallait aussi que chacun prenne conscience des efforts que nous, à la mairie, nous apportions. Et maintenant, donc pendant la période des fêtes, j'ai reçu une dernière pression avec le shopping de fin d'année et tout. Et grâce à Dieu, ça s'est bien passé suite justement au changement que nous avions fait et nous l'avons fait. Toujours dans le même cadre de la circulation, les routes, ça va beaucoup mieux. Merci à tous de votre patience et de votre compréhension. Mais nous avons encore le phénomène des camionnettes, des minibus et les endroits justement pour les placer, pour les faire arrêter. C'est un gros challenge parce que comme vous l'avez dit, nous avons beaucoup plus de véhicules depuis le tremblement de terre. Pétionville n'a pas été conçu pour ce nombre de véhicules, ni ce nombre de marchands, ni pour ce nombre d'entreprises. Donc nous devons... Ni pour cette population. Donc c'est vraiment petit à petit, on a des idées, on essaie de les appliquer, on voit que ça ne marche pas toujours, donc on cherche toujours des solutions. Les obstacles ne semblent pas faire peur à Ivanka Jolicoeur et elle compte déjà ériger un centre culturel dans sa commune. Quant au cimetière, écrasé par l'ancienne mairesse aux grandes dames des citoyens, Madame Jolicoeur envisage de le remplacer par un carrefour giratoire et d'y construire un monument en hommage aux défunts. C'était un cimetière qui a été déplacé sans l'accord, sans l'approbation, sans l'avertissement des parents, des familles. Déjà, moi, je trouve que c'est un acte criminel. C'est mon opinion et je dois vous dire que c'est l'opinion de plusieurs concitoyens de Pétionville. Non, j'étais là à l'époque et ça a soulevé un scandale, d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que nous avons quand même de grandes personnalités du pays qui étaient enterrées dans ce cimetière. Plusieurs de ces parents, familles, n'ont même pas pu retrouver des ossements de leur famille. Oui, le magistrat parent avait cette idée de faire ce qu'on appelle une gare routière sur l'emplacement du cimetière. Et ça, ça avait causé beaucoup de tohu. Les citoyens de Pétionville n'étaient pas intéressés à ça. Et dans cet angle, dans cet axe qui est quand même important, comme vous le dites, oui, qui pourrait stratégique, qui pourrait aider pour les camionnettes, mais pour... Toute la circulation, mais c'est quand même une ouverture de la commune. Est-ce que c'est la première vue qu'on aimerait avoir? C'est mon opinion personnelle. Mais pour revenir un peu sur ce plan que j'ai trouvé, qui est un carrefour giratoire, donc qui permet une meilleure circulation donc de la route de Delma, de Frères, permettant d'aller devant Saint-Jean-de-Bosco, le tribunal, qui pourrait déboucher sur la rue Métellus, et au centre, avec justement le landscape, reboisement, espace vert, le monument au centre, à l'effigie de tous les défunts, et au-dessus de ce monument, une croix. Une croix, comme on la retrouve au Mont-Royal, peut-être. Alors oui, j'ai étudié à Montréal, j'ai grandi là-bas. Donc certes, je prends des points de repère. Et moi, j'ai cru que c'est un magnifique projet.
Donc, j'ai rappelé l'architecte ingénieur qui avait fait ce travail parce que ça avait été présenté en l'an 2006-2008. Et je lui ai demandé de remettre à jour ce qui a été fait. Je l'ai envoyé au ministère de la Planification et je suis heureuse de dire que demain matin, je rencontre le chef du cabinet adjoint du ministère de la Planification parce que j'ai fait savoir qu'il était important que l'on prenne une décision sur l'emplacement du cimetière et que je puisse me présenter aux élections ou que je ne puisse pas le faire. J'aimerais vraiment pouvoir entamer ce projet au niveau du cimetière de Pétionville à la demande de mes citoyens et à ma demande personnelle, par respect pour ces défunts, par respect pour ces grandes personnalités qui font partie de notre patrimoine, de notre culture et qui ont servi à notre pays dans peu importe leur catégorie. Alors, personnellement, ça me touche et j'aimerais que ce soit fait. La commune de Pétionville s'étend sur près de 200 km². Sur la route de la Boule, que les touristes doivent emprunter pour se rendre au site de Boutillier, on retrouve malheureusement des carrières de sable qui éventrent les mornes. Malgré un communiqué gouvernemental émis avant la présidence de Michel Martelly et interdisant les fouilles dans cette carrière, la saignée se poursuit. Plus haut, les résidents ou touristes peuvent se rendre à Boutillier, qui a été totalement rénové l'année dernière. Situé à 3000 pieds d'altitude, l'observatoire de Boutillier offre un panorama magnifique sur la baie de Port-au-Prince et permet même d'apercevoir la frontière de la République dominicaine quand le ciel est dégagé. C'est un site particulièrement apprécié par les résidents, les touristes et les amoureux. Vous pouvez y dominer la capitale dans la fraîcheur montagnarde tout en dégustant des mets haïtiens ou en achetant des pièces artisanales qui vous attendent dans de coquets bungalows. Pas étonnant alors que Boutillier fasse désormais partie du forfait Air Transat. Pétionville s'étend même jusqu'au fort Jacques et au fort Alexandre, construits au 19e siècle par Alexandre Pétion. Le second n'a jamais été achevé et est perdu dans la forêt. Par contre, on peut toujours visiter le fort Jacques, du moins ce qu'il en reste depuis le séisme. En effet, s'il y a 2 ans, la ministre du Tourisme, en compagnie des autorités de l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, l'ISPAN, et de la mairie de Pétionville l'ont visité, rien des projets envisagés n'ont été concrétisés. Mis à part la présence de bungalows vides, le fort Jacques n'offre que des stigmates bien visibles de 2010. Pas de drapeau national à l'entrée, des murs écroulés et des ruines non protégées. Triste tableau pour un lieu appartenant au patrimoine national. Les autorités avaient planifié de favoriser les visites régulières, réinstaller les canons, avoir un parc d'amusement, un atelier d'artisanat et l'installation de poubelles pour préserver la propreté du site. Pourtant aujourd'hui, il est à l'abandon. Alors, comment l'explique Madame la mairesse ? En effet, Fort Jacques, qui est dans la commune de Pétionville. Fort Jacques, comme vous le signalez, la petite maison qui a été conçue pour les artisans. Alors, c'est une collaboration entre le ministère du Tourisme et évidemment la mairie de Pétionville. C'est le ministre Villedroin, en effet, qui a fait ériger ça pour justement donner un encadrement à ces marchands d'artisanat pour permettre ce nouveau site touristique pour les touristes. Ce qui a été endommagé au niveau du fort, Il a certainement été endommagé lors du séisme, mais il commençait à subir quelques petites dégradations. Mais avec un encadrement et une volonté, et je dois l'avouer, l'équipe, cette nouvelle équipe, a voulu justement concrétiser et améliorer les conditions. J'ai été invitée par le ministre, il y a peut-être 2 ou 3 mois, accompagnée de Madame Monique Rocourt, qui est la directrice générale de l'ISPAN, donc qui a la gestion, si vous voulez, sur tous les monuments ou encore les monuments historiques, patrimoine du pays. Et en effet, conscient qu'il devait se faire quelque chose, il y a des ingénieurs, il y a des professionnels qui sont venus voir et la réhabilitation devrait bientôt commencer. Vous avez aussi vu qu'il y a des routes qui sont, enfin, l'amélioration de la condition des routes qui sont là, qui se travaillent. Et le Fort Jacques, le concept, l'idée, je ne sais pas si vous aviez aussi remarqué qu'il y avait des petites plateformes qui ont été établies dans la forêt, cette magnifique forêt où souvent les gens vont s'y rendre, mais malheureusement,
qui ne sont pas encadrés, il n'y a pas de gestion et tout, on délabrait un peu le lieu. Mais là, avec le ministère du Tourisme et le support de la mairie, on monte relativement souvent pour aller voir ce qui se passe et pour améliorer la condition. Mais encore là, au niveau administratif et puis les débours, ça prend toujours un petit peu de temps. Mais le projet est là, l'idée est là. Et de le développer comme site touristique, il est là. Vous savez que j'ai travaillé au ministère du Tourisme. Le tourisme est quelque chose qui me touche énormément pour mon pays, d'autant plus. Et j'aimerais parlons-en, Madame la mairesse. Ce tourisme, Haïti, en tout cas ce gouvernement, fait tout pour essayer d'attirer les touristes. 2014 est une année stratégique. Mais beaucoup disent, mais il y a des hôtels, justement. Alors là, Pétionville, c'est vraiment la concentration des plus grands hôtels modernes, luxueux, d'ailleurs. Rien à envier à certains hôtels internationaux. Et puis, il n'y a pas de touristes. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut commencer à quelque part, Nancy. Il faut commencer à quelque part. Et le dynamisme et la volonté qu'a le ministre Stéphanie de faire avancer les choses. Certes, nous ouvrons nos portes. Certes, Haiti is open for business. Mais je veux dire, on ne tord le bras de personne. Si ces investisseurs, en effet, viennent au pays et trouvent que le gouvernement les facilite justement à implanter ces entreprises, c'est qu'ils doivent croire en quelque chose. C'est qu'il y a un espoir à quelque part. Et c'est pas du jour au lendemain que les touristes vont venir. Mais avec les efforts que nous faisons justement, que ce soit pour le changement d'image en général du pays ou les efforts que le ministre du Tourisme fait à voyager partout et à créer des forfaits ou à faire rentrer des gens pour pouvoir visiter et à nous servir de ces gens comme ambassadeurs, c'est déjà un premier pas. Et certes, avec les années, le tourisme a changé. Nous n'avons plus le touriste qui cherche à aller s'évacher, excuse l'expression, mais à aller s'évacher sur une plage et boire du rhum et tout. C'est plus ça. Le touriste, maintenant, veut découvrir le pays, veut connaître l'habitant, veut connaître la culture. Et Dieu seul sait qu'Haïti a ça à offrir. Mais il est vrai que nous avons encore ce stigma. Les gens craignent encore, de par nos instabilités politiques, de par tous les problèmes que nous avons eus. Si en 2 ans et demi, nous avons été capables de faire rentrer, même si c'est avec notre accompagnement, même si c'est nous qui avons été chercher ces gens, c'est déjà un effort de fait. En 2 ans et demi, Nancy, ce qui a été fait, qu'il s'agisse du niveau touristique, qu'il s'agisse du pays en général, Nancy, whether you like it or not, les choses sont faites. Entre-temps, Madame Rocourt a été nommée ministre de la Culture et la direction de l'ISPAN reste désormais vacante. Espérons que Forjac ne passera pas aux oubliettes. Quand Madame Jolicoeur dit que les choses sont faites, elle a partiellement raison. Mais il est évident qu'il faudra s'accrocher pour gérer et apporter des solutions viables à cette commune. Un plan de développement durable est essentiel pour la collectivité pétionvilloise autant que pour le tourisme. En effet, les autorités ne sauraient maquiller la misère et le manque de besoins vitaux comme elles l'ont fait avec le bidonville de Jalousie. Ce dernier surplombe la commune comme pour rappeler que ce n'est pas avec des couleurs que l'on peut masquer la détresse. Au pied de ce bidonville, ahurissant, le danger guette. 4 nouvelles failles sismiques ont été découvertes cette année dans la capitale, dont une passe sous Jalousie. Le sismologue Claude Prepty. Jalousie est là, ici. Donc ici, deux formations géologiques différentes. En jaune, ça c'est Jalousie, vous avez des formations, ce sont des conglomérats, heureusement, qui sont assez durs, qui sont assez compétents. Et au bas de Jalousie, vous avez un sol moins compétent. Et c'est là que l'on peut enregistrer des glissements de terrain. Et dans le jaune... Donc c'est-à-dire que si par exemple... Alors en plus, il y a une faille majeure qui passe. Et donc, s'il y aurait par exemple donc, le tremblement ici, si je comprends bien, ingénieur... Il va toucher le bas qui est déjà plus friable et donc tout le haut risque de s'affaisser. Puisque les pentes sont très fortes, il y a risque de glissement de terrain, donc les maisons qui sont en haut vont descendre pratiquement vers le bas. Ainsi, même si les choses sont soi-disant faites, il reste beaucoup à accomplir. De plus, Ivanka Jolicoeur a peut-être accepté sa nomination du président de la République en pensant qu'elle pourrait se présenter aux prochaines élections municipales. C'était sans prévoir les aléas de la politique et les remaniements constitutionnels. De fait, la nouvelle loi électorale n'autorise à aucun maire en fonction de se présenter au prochain scrutin. C'est sur un ton grave qu'Ivanka Jolicoeur a souhaité transmettre un message important à ce sujet. Je vais demander aux citoyens qui iront voter. Je vais demander
aux candidats qui vont se présenter avec moi ou sans moi, de prendre conscience de tous les efforts qui ont été placés, qui ont été faits au niveau de cette commune. La discipline que mon équipe a eue tout au long de son mandat, de sa mission, j'espère que les Pétionvillois auront su comprendre en ces 14 mois ou avec le reste du temps qu'il me restera de vraiment continuer à insister et à s'assurer que les gens que vous allez élire continueront ce beau travail que je crois que vous appréciez, qui a changé la commune, qui a donné une dignité à cette commune. J'espère qu'ils continueront sur cette même route. C'est le seul souhait et le plus grand souhait que j'ai, parce que je dois vous dire que j'ai mis beaucoup d'efforts. Je me suis investie personnellement. Et vous savez que mon mari travaille avec moi, et en politique, bien que je ne me considère pas politique, mais nous sommes quand même dans un enjeu politique, ça coûte cher être dans la politique. Ça coûte cher personnellement, ça coûte cher notre vie privée, ça coûte cher. Alors j'espère vraiment que la personne qui prendra ce poste après moi, s'il y a lieu, se rappellera de tous ces efforts qui ont été faits. Espérons que les Pétionvillois, pour leur commune aussi bien que pour le tourisme naissant, capteront l'importance de ce message et pèseront de tout leur poids dans la balance électorale pour élire un maire ou une mairesse qui assurera la relève. Pétionville vous attend et nous vous invitons à découvrir son hospitalité à travers l'incontournable hôtel Royal Oasis, premier 5 étoiles parasismique conçu par un haïtien.